Voilà, Salvo fera la conférence tout à l'heure pour nous entretenir de sa mission donnée par Saint Michel-Archange, pour nous préparer en nos cœurs, en nos esprits. Je propose un chant à l'Esprit Saint, au Veni Creator, dans les grands moments pour délivrer la France et l'Europe des valeurs qui offensent notre Seigneur. Nous avons besoin de l'aide de l'Esprit Saint qui nous pousse à imiter Jésus, qui nous pousse à le recevoir et qui nous pousse à être forts comme Saint Michel-Archange dans l'humilité. Alors, Saint Michel-Archange a donné trois conditions pour préparer nos cœurs à Jésus. L'obéissance, qui est comme Dieu dans l'humilité, obéissance, obéir à Dieu. Deuxièmement, la prière. Et troisièmement, la charité. Les trois vont ensemble, obéissance, prière et charité. Il vous le dira tout à l'heure. Donc demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer et de nous fortifier, lui qui est vraiment Dieu, Esprit Saint, il est Dieu, et qui nous pousse à imiter notre Seigneur Jésus, vrai Dieu et vrai homme, pour la gloire du Père qui est Dieu. Nous ne pouvons nous lever. Veni creator spiritus, manifestum hominum desiderat, in me superna gratia, quae tu creas filii pectora, qui discepis paratitus, altissimi troisième jour est ressuscité et mort, est monté aux cieux
est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père, 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 vers toi montent nos cris, nos prières. Père, ouvre nos cœurs. Père, donne-nous ton Fils. Père, embrase-nous de l'Esprit Saint pour que nous puissions prier avec le cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Reine des anges, Reine de tous les hommes, Vierge Marie, regarde nos prières, regarde nos cœurs, tous unis tournés vers toi. Nous te saluons, je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vierge Marie, augmente en nous la foi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vierge Marie, augmente en nous l'espérance, la vie éternelle, nous la désirons. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vierge Marie, intercède pour nous pauvres pécheurs. Nous manquons d'amour, de charité. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria. Spirito Santo, secundum ad principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Pouvons nous asseoir. Je viens d'ouvrir la Bible et je suis tombé sur le psaume 90. Pour nous préparer à ce chapelet, car Marie nous montre son Fils, la parole de Dieu, la parole faite chair. Je vous lis le psaume. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr, c'est lui qui te sauve des filets du chasseur.
de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge, tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. Voilà bien l'objet de notre prière, voilà bien l'objet du chapelet. Jésus nous sauve, nous voulons voir son salut, nous voulons voir le Père, nous voulons demeurer avec le Père pour l'éternité. Cette éternité commence maintenant avec Jésus, Marie et toute la cour céleste. Premier mystère de ce mystère lumineux, le baptême de Jésus. L'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix partit du ciel, « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Tous les baptisés sont les enfants du Père. Nous allons demander au Seigneur de rendre grâce, d'avoir des cœurs de louange. C'est lumineux, la lumière du ciel est venue jusqu'à nous. La Sainte Trinité s'est penchée jusqu'à nous. Le Père nous embrasse, Jésus nous étreint, l'Esprit Saint souffle sur nous. Donc nous sommes dans le cœur de Dieu, Trinité. Quel bonheur! Goûtons ce bonheur et prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui le mettent dans la tête intellectuellement, alors qu'il est au plus profond de nos âmes, au plus profond de nos cœurs. Trinité Sainte, je te prie pour que dans les familles, tous les baptisés, Jésus puisse régner, ait la première place pour l'honneur du Père. Viens, Esprit Saint, souffle sur nos familles. Fais que tous les enfants, les petits-enfants soient baptisés, découvrent ce grand cadeau du ciel. Le salut est venu dans la maison aujourd'hui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts
repose en paix. Ô Marie conçue sans péché, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Je vous proposerai d'écouter ce que la Vierge Marie, dans une apparition qui n'est pas encore reconnue, mais dont les fruits sont reconnus, à côté de Madrid, à l'Escorial. La Vierge Marie propose, non pas de toucher aux paroles angéliques, parce que c'est les paroles de l'ange, Gabriel, mais à la deuxième partie du « Je vous salue Marie », elle demande à la Vierge Marie qu'on le rajoute « et notre mère ». Elle est notre mère, tous ses enfants sur la terre sont ses enfants. Toutes les personnes sur la terre sont ses enfants. Donc, Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère. Je vous le propose, ceux qui peuvent, c'est une bonne chose. Nous écoutons ce que notre Mère nous dit et ça a des conséquences pour le monde entier. Deuxième mystère, la Vierge Marie à Cana est dans les noces, invitée avec Jésus. De quoi parle-t-il? Du royaume des cieux, du plan sur le mariage, du plan de Dieu sur le mariage. Ils ne feront plus qu'un seul, une seule chair, une seule âme, que ce que Dieu unit, que l'homme ne le sépare pas. Nous allons donc rendre grâce pour tous les saints et les saintes mariés, tous ceux qui sur cette terre vivent du plan de Dieu sur leur couple, pour cette fécondité qui part de l'union des cœurs. Nous allons rendre grâce à Dieu, bénir le Seigneur pour le sacrement de mariage. Et puis nous allons implorer l'aide du Saint-Esprit, de la Vierge Marie, de Saint-Michel-Archange, pour tous les couples qui ne vivent pas selon ce plan de Dieu, qui ne comprennent pas, qui n'y arrivent pas, qui ne voient pas, qui ne croient pas, qui n'espèrent pas, qui n'aiment pas. Je te reçois, je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de ma vie. Demandons cette grâce de l'unité et confions tous les fruits à Marie qui transforme, qui présente plutôt nos cœurs à Jésus et qui transforme l'eau en vin. Le vin, c'est la surabondance et l'amour qui jaillit dans le cœur de Jésus. Demandons ces grâces. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, nous t'en prie, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria patri et filio, et spiritore sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles et des malpassés reposent en paix. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Ave, Ave, Ave. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut être cachée qui est sise au sommet du mont, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sûr le lampadaire, où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison.
Ainsi, votre lumière doit-elle briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Voilà la prédication, le royaume des cieux. Rendre gloire au Père, que vos œuvres ne soient pas les œuvres des hommes, mais celles de Dieu, dans la divine volonté. Remercions d'être le sel et la lumière. Ce n'est pas psychologiquement que nous pouvons comprendre ça. Ça vient d'en haut. Le règne de Dieu, le royaume est annoncé. C'est la prédication de la sagesse qui nous vient de Jésus, qui vient du Père, du cœur du Père, transmise par Jésus, vécue par Jésus. Et le souffle de l'Esprit-Saint nous le fait comprendre. C'est vrai. Alors prions pour tous ceux qui désespèrent parce que ils ne regardent pas la lumière, ils ne regardent pas le don de Dieu. En nous, le royaume de Dieu est tout proche. Il est là. Dieu ne s'est pas incarné pour rien. Sa passion, ce n'est pas pour rire. C'est pour que nous ayons la lumière qui brille en nous et que le sel, on puisse dire, voyez comme il s'aime. Prions pour que nous soyons vraiment des témoins vivants. Non pas affadis, mais qui salent le monde affadi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte
Salut Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts repose en paix. Amen. Ô Marie conçue sans péché, comme il priait, que l'aspect de son visage devient autre et son vêtement d'une blancheur fulgurante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie qui apparut en gloire, parlant de son départ et qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. S'étant bien réveillés, ils virent sa gloire et les deux hommes qui s'étonnaient avec lui. Il advint comme ceci se séparait de lui, que Pierre dit à Jésus, « Maître, il est heureux que nous soyons ici, faisons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Et pendant qu'il disait cela, survint une nuée qui les prenait sous son ombre, et ils furent saisis de peur en entrant dans la nuée. Une voix partit de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon fils, l'élu. » Écoutez-le. Que de peur aujourd'hui, que de peur. Rentrons avec Jésus dans l'Esprit Saint, la nuée, qui nous éclaire, qui nous guide, qui nous protège.
Et l'Esprit Saint, que fait-il? Il nous montre le visage resplendissant de Jésus, venant du Père. Lumière née de la lumière, vrai Dieu dit vrai Dieu, c'est Jésus. Merci au Saint-Esprit de nous transporter sur la montagne de la prière. Merci de vos cœurs fervents de prière en ce moment. Merci dans vos maisons lorsque vous priez. Merci lorsque vous priez époux et épouse. Merci lorsque vous priez en famille avec vos enfants, petits-enfants. Merci quand vous témoignez, vous montez sur la montagne et l'Esprit Saint saisit vos cœurs pour ne voir plus que Jésus seul. Oui, on peut bafouiller, on dit des choses, il y a son trois tentes, on ne sait pas très bien ce qu'on dit. Mais quand l'Esprit Saint est là, on écoute le Père et le Père nous dit « C'est mon Fils, l'élu, mon bien-aimé, celui en qui j'ai mis toutes mes complaisances, pas un iota entre moi et lui, une séparation. Écoutez-le, il en va de votre vie, il en va de votre nation, il en va de votre salut. Nous ne voulons pas l'enfer, nous voulons le paradis immédiatement, comme Sainte Thérèse qui avait l'audace de dire « J'irai au ciel, pas au purgatoire, j'irai au ciel ». C'est impossible aux hommes, impossible à Dieu, tout est possible. Prions donc pour que nous montions fréquemment avec Jésus sur la montagne dans notre âme, la montagne intérieure, la montagne de la rencontre avec le Père. Et là, prions. Regardons Jésus. Laissons-nous porter par l'Esprit Saint. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs,
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio, Espiritu Santo, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Ô Marie conçue sans péché. Ave, Ave, Ave Maria. Déjà vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Dans ce mystère de l'Eucharistie, demandons de faire des communions non pas de routine, mais avec un cœur de désir. Jésus frappe à la porte de notre cœur. Il daigne rentrer dans notre cœur, dans notre corps. Présentons-lui des cœurs et des corps purs, dignes de lui, sans partage, sans colère, tout au Père. Aimons-nous les uns les autres comme il nous aime dans l'Eucharistie. Si tu savais le don de Dieu. Prions pour nos ferveurs, prions pour demander pardon pour les pécheurs contre toute forme de blasphème contre l'Eucharistie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Par la grâce de notre corps divin, les âmes des fidèles et femmes reposent en paix. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Marie, Immaculée, douloureux et Immaculée de Marie,
et le Sacré-Cœur, il n'y a pas de différence, il n'y a pas. C'est le même amour qui part du Père, deux cœurs unis. Nous n'avons pas besoin donc de reprendre le credo, et nous allons prier aux intentions de la Vierge Marie, d'abord pour la conversion des pécheurs, pour que la miséricorde de Dieu, qui est immense, nous n'aurons jamais assez de l'éternité, nous les hommes et les anges, pour chanter, goûter la miséricorde de Dieu. Jamais assez de l'éternité. Père éternel, je vous offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Deuxième mystère, la Vierge Marie nous demande de prier, c'est pour l'Église, si attaquée aujourd'hui, si divisée, si éprouvée. Prions pour le pape, pour nos évêques, qu'ils gardent bien la pureté de la foi, qu'ils gardent bien ce que Jésus veut pour son Église, les sacrements, pour réconcilier avec le Père, dans une confession, le secret d'amour, qui est un mystère divin, où les hommes ne peuvent pas toucher. Prions pour l'unité entre les baptisés, prions pour ce mystère de l'Église, épouse du Christ, corps mystique de Jésus. Père éternel, à vous. Père en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu
sainte vocation. Prions pour les formateurs. Prions pour que l'appel de Dieu ne soit pas pour rire, ce n'est pas un jeu, mais engage tout l'être, corps, âme, esprit, jusqu'à la mort. Prions pour tous les séminaristes, tous les séminaires du monde, mais particulièrement pour la France, pour l'Europe, pour l'Italie, pour votre région. Père éternel, je vous offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier, par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Ô Dieu Saint. Dieu n'est-il pas le miséricordieux, l'infini miséricorde? Pourquoi retournez-vous les fautes les uns contre les autres? Pardonnez-vous mutuellement. Estimez-vous mutuellement dans vos familles. Venez à mon Fils, venez au Père. Père éternel, je vous offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu.
font lorsqu'ils sont au ciel grâce à vos prières, grâce à vos pénitences. C'est la communion des saints. Vous leur faites du bien, elles vous font du bien. Là où vous ne pouvez pas agir, Dieu agit par leur intermédiaire. Père éternel, je vous offre le corps et le sang. En réparation de nos péchés et de ceux du monde entier, par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Jésus, j'ai confiance en vous. Jésus, j'ai confiance en vous.